En fait, tu vois, les premiers, tu vois comme il est en premier, le deuxième, il se met ouais. Directement. Voilà le petit Gex, mon ex, elle est là. Hein, mon ex? What the fuck? Maintenant, tu sais, c'est quoi le but du plan? Bonjour, mesdames, messieurs. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Ouais, je sais, mais c'est pour venir ici. Pour faire le tour là-bas et revenir. Ok. Hein? On peut changer la musique? Cet homme peine à tenir debout, tant le vent souffle. Dans sa main, un appareil qui mesure le vent. Une rafale à 132 km/h. J'adore le vent, je suis un gros passionné de vent, de tempête, donc voilà quoi. C'est vrai? Ouais. Oh mec, arrête-toi, on sait que c'est toi! Arrête-toi! Oh mec, arrête-toi, on sait que c'est toi! Arrête-toi! Bonjour mesdames, messieurs. C'est de toute beauté. Bonjour. Bonjour, vous retirez votre casque? Bien sûr. Votre cabine, s'il vous plaît. Ouais. Permis sur moi. Ouais. J'ai perdu la carte. Toi. Et vous roulez pas. Ouais ouais. Non non. Je sais, vous avez dû me voir à un endroit, je pense, ouais. Justement, ouais. Dès que vous envoyez. Ouais. Je vous ai vu au loin, justement, après. Sacré contrôle. Ils ont dû me voir passer en bombe. Même lui m'a dit, on vous a vu passer fort. Après, ils ont rigolé. Ça tousse derrière. RS3, fouf fouf, ça tousse derrière. Incroyable le bruit. En fait, je voulais entendre le bruit, comment ça rendait en extérieur. C'est pour ça que je l'ai pas monté dans le camion. Je vais jusqu'à Marseille. Ensuite, à partir de Marseille, je partirai à Paris. Et du coup, j'aurai 760 km encore à faire. Voilà, on est là. Retour aux sources. Et vous avez entendu le bruit? Rien à voir avec les autres. C'est pour ça que j'ai pris un Gex. Elle est magnifique cette moto. Par contre le collecteur là, le collecteur d'ogine, il tombe sur mon pot là.
Ça va pas le faire, Harry. Tu vas pas te taper avec la ligne à roue, Harry. Parce que sinon, je vais te tèger à la poubelle, toi. Mais c'est pas beau, ça. Tu forces comme ça? Non, t'as forcé le passage là. Hein? J'ai pas calculé. Avec tes lumières là. Avec tes lumières là. Ça marche. Il envoie. Ouais, ça marche. Ma moto c'est celle-ci et ça c'est sa moto. Vous l'avez changé? Ouais. Ah, il y a eu les changements. Est-ce que vous avez le permis? Comment, monsieur? Il est pas votre nom. Je viens de l'acheter. Elle a tiré au couille. Est-ce que vous avez quelque chose dangereux dit ici? Non, non, du tout, du tout. Hein, du tout. J'ai un tournevis, mais en fait c'est pour les vis. Ouais. C'est tout. Est-ce que vous avez du stupéfiant? Non, non, je veux tout. Non, gazette, du tout. Non, non, zéro. Vous habitez où, monsieur? Paris. En fait, je suis venu chercher la moto, je l'ai achetée et du coup, je suis resté un peu à Marseille, quoi. Alors, c'est laquelle, la mienne? Comment? C'est laquelle, la mienne? Ah, celle-là. Ah, moi, je suis sportif, moi, voilà, c'est pour ça. C'est pas pareil. Ouais, ça n'a rien à voir, quoi. Petit contrôle tranquille, franchement, hyper sympa. Rien à dire. Contrôle de routine. Ouais. Ça va et toi? Non, je suis en panne, merci. C'est parti. Eh oui, mon frère. Je s'attendais pas à ce qu'il y ait quelqu'un comme lui derrière. Mesdames, messieurs. Vous avez récupéré la caméra ou vous avez laissé tourner? Alors, on va tirer la caméra. Je me suis retrouvé tout à l'heure justement. Sans déconner. Carte grise. Plus de 200 km/h. T'es à 200 là? Je sais pas. Moi j'étais à 220. Ouais. Et vous étiez encore en train de prendre de la distance. Ouais, c'est bon. Mais vous regardez quand même dans vos rétroviseurs ce que vous avez vu. Oui, justement, je vous ai vu au loin justement après. J'ai reconnu les phares. C'est possible, j'étais au Stade de France quand vous entendiez arriver au loin. Ouais, ok. Vous avez déjà passé la scène. Ouais, vous étiez à l'entrée je crois, c'est ça? Ah, j'étais pas encore à l'entrée quand vous avez passé l'entrée. Ok, d'accord. Ok. Encore sur le... la carte grise. Il n'y a que la carte grise que j'ai pas faite et là je compte la faire. Vous avez votre permis sur vous? Non. Des identités, ouais. C'est où vous êtes contrôlé? Pierrefitte. Pierrefitte. Mais c'était tout à l'heure, c'était il y a 5h je crois. 4h. Ici, va les cœurs en personne, les gars. Le S1000, je l'ai vendu. Ça doit être l'assurance, je crois. L'assurance, c'est bon. Oh, c'est le tunnel, je me suis dit je vais me faire une petite accélération, sinon après j'adapte. Ouais, vous avez ralenti pour le virage, on vous a entendu arriver. Non, même pas. Ouais, c'est bon, je vois. Le virage sur le pont. Ouais, c'est bon. Vous avez ralenti avant de le prendre. Ouais. Vu que vous n'avez pas de chicane, ça résonne fort. Ouais. Après, vous êtes resté stable. Effectivement, à l'entrée du tunnel, vous avez ouvert en ligne. En toute franchise, c'est parce que c'est les endroits des jumeaux. Parce que je sais, comme quoi, à une entrée de, comment ça s'appelle, de... Vous savez jusqu'à combien elles prennent les jumelles? Pas du tout. J'ai réussi à apprendre à 1,8 km. À
avec une nouvelle commande. C'est-à-dire que quand vous avez accéléré et que vous êtes dans le tunnel, ouais. Même si je suis à l'insertion, je vous vois encore. Ok. Ah, vous pouvez prendre à l'intérieur carrément. Ok. On n'a aucune limite avec les jeux. Surtout les dernières. Les dernières, c'est aussi exceptionnel. Je ne les ai pas essayés en roulant, mais je pense quand même en roulant, elles fonctionnent. Vous avez vu là, vous arrivez d'où Pierrefitte, Sarcelles plutôt. En fait, j'étais au cinéma et après, j'étais à Sarcelles. Ça fait longtemps, c'était 2018. C'est vrai que ça va. Ouais, quand même, ça va. Les pneus, ils ont eu du mal à chauffer là tout à l'heure. Parce qu'il fait tellement froid. Dès que vous allez ralentir un petit peu, ils vont refroidir. Ça va y refroidir encore. Ils seront toujours à la bonne température. Elle est là, différence. Ouais, justement, si je m'arrête ou par si je ralentis. Vous allez les viser bêtement pour eux. Ah oui, par contre, ils se mangent très très vite. Hein. En 4000 km, ça y est. Donc au final, ça tienne pas plus que ça. Ouais. Oui, j'ai fait des routes de montagne, j'ai eu des pneus sport sur les hyper sports, mais. Les pilotes road. Je vais faire quelque chose ou quoi? Ah, parce que vous avez regardé dans vos rétro, vous m'avez vu, vous avez vu. Ouais, c'est bon. Alors, quand vous avez été fait contrôler, ils vous ont dit quoi les collègues? Comment? Quand vous étiez contrôlé tout à l'heure, ils vous ont dit quoi les collègues? Rien de spécial. Vous avez rebalisé ou pas? Hein non, pas du tout là. Non. En fait, ils m'ont vu arriver à un feu et après, ils m'ont coupé la route tous en fait. Il y avait 5 motos, je crois, ou 4 motos. Je sais pas c'était quelle brigade exactement. Il y en a qui se sont barrés dans le loup. Non, 4 motos de police. Ah de police. Ouais. Et voilà, du coup. De toute façon, sans la chicane, vous avez une certaine police. Ouais, je sais. Ils sont arrivés très près. Ouais, je sais. Voilà. Elle est où la chicane? La chicane, elle est chez moi. Comment vous l'avez pas sous ça? Bah de base, je prends toujours un sac à dos avec moi, je mets la chicane et tout dedans, mais. En fait, elle rentre pas ici. Elle veut pas rentrer. Du coup, même mon bloc disque, je le mets là. C'est-à-dire. Sinon, vous l'avez mis dans les jardins. Je suis limite. Ouais, c'est vrai. Le bloc disque, vous l'avez là. Ouais, il est là. Vous tombez, vous avez... Surtout avec l'équipement que vous avez. Ah ouais, je sais. C'est pas le plus coquet, ça. Je sais. Je sais bien. Bon, c'est votre vie, c'est bon. Il faut assumer derrière, quoi. Ouais. Bonne soirée aussi. Bon bah apparemment ils m'ont entendu arriver de très très loin. Du coup j'ai attiré leur attention. Pour ça que la RSV4 elle m'intéresse de fou. Ça va ou quoi? Tranquille. Vous voyez ou pas? C'est très nerveux. Bonjour mesdames, messieurs. Calme, tranquille. Bonsoir. Pas la peine de se mettre devant moi, c'est bon. Hein, c'est précaution. Ouais, ok. Voilà. Vous avez votre métier, j'ai le mien. Ah. Je la pousse là, je fais quoi? Ouais. Tenez les clés comme ça, vous êtes sûr? Hop. Non, pas encore. En fait, la carte grise, elle est en retard de 1 mois et demi, là. Donc c'est le seul truc qui me reste à faire. C'est juste parce que j'avais pas d'argent pour la payer, c'est tout. Et là, je vais la faire, là. Tenez. Ça, c'est l'assurance. Derrière. À gauche? Derrière. On est fort. Ouais, parce que j'aurais peut-être le coup de shifter, je pense, c'est pour ça. Là, j'ai passé la vitesse. Ouais. On comprend, hein, moi aussi, avec la CCR, je me fais plaisir. Il y a encore en fait le bruit de trop ici. C'est juste qu'avec la pluie, c'est un peu dangereux. Mais après, je connais les risques. Comme l'équipement, il est pas ouf. Ouais, après. C'est justement de la street. Exactement. Ouais, c'est fini, là. Oh, j'en suis bien conscient. Mais c'est quoi, tu fais que de la banlieue avec? Enfin, t'étais pas. T'étais, tu faisais juste un petit trajet, t'étais pas. Non, je vais. Ah, quand même. Ah, faut quand même penser à s'équiper. Hein. Ouais, maintenant, ils font du streetwear avec des protections. Ouais, je sais. Bah, après, on joue au con, justement, ça. Mais je suis conscient des risques. Je pense que déjà cassé mon pied. Non, bon, moi, je suis pas à la morale.
aussi. Chaque motard est conscient de lui. Exactement. Combien de temps que t'as le permis? 14. Ah bon, ça fait un moment. Ouais. Mais c'est pas le permis 125 après, jusqu'à là. C'est bon. J'ai mis 10 francs. Ça fait longtemps que t'as le GSSR? Celui-là, ça fait 3 mois. 2 mois, je crois. C'est vrai que t'as encore 10 mois. Non, j'avais un SMIRR avant. Attends, il va arriver, il n'y aura plus rien. Non, j'avais un SMIRR avant, justement. Ah ouais. Mais SMIRR, c'est quoi? C'est pas trop fiable, non, mais SMIRR, c'est quoi? C'est pas trop fiable, non, mais... Voy a la playa, bien subido la marea. Eso. Mais SMIRR, c'est quoi? C'est pas trop fiable, non, mais... Ouais, c'est pas fiable. Ouais, d'accord. Le dernier, justement. Le dernier? Sans indiscrétion, t'es pas un youtubeur toi. Ouais, c'est toi, tu petit biker. Du coup, maintenant j'ai vu ta tête alors. Exactement. Parce que, ouais, j'avais vu une vidéo où ça s'était mal passé avec les collègues à Paris. Ouais, mais tabac là, ouais. Ils ont fait de la merde. Ah, chose, ouais. Ah, tu t'es poussé. Ouais, c'est ça. Ils ont fait tomber la moto et tout là. Ah oui, ouais, ah, ouais, je pense que ça se fait pas. Okay. Bon, on n'est pas tous comme ça, je te rassure. Ouais, je sais, c'est pour ça que dans la vidéo, je tenais vraiment à montrer les deux images. Ouais, ouais. VS mauvais en fait, c'est pour ça. Ouais, mais y'a pas de soucis. Je me contrôlais par les motards la dernière fois ici là, les 5 là. Je sais pas, ils étaient 5 motos, ouais. 3 sur 700 TDM et tout, ils sont mis devant moi, ils vont aller toute la route. C'est normal parce que nous, il y a tellement de motos motards qui se battent. Ouais. On est obligé. Après, tu sais, même là, t'aurais pu de. Bon, après, t'es. Ouais, je comprends. Ouais, je sais. Mais on prend tellement les précautions parce que, je te dis, les deux roues, malheureusement, déjà les voitures. Ouais. Moi, je suis en règle à 100%. Alors les deux roues, c'est clair quoi. Ok, bah écoute, bon courage à toi. Merci, bonne journée. Merci, bon anniversaire. Merci beaucoup. Archi bon. Il y a des reilles qui m'ont reconnu avec la nouvelle bécane. Ça m'a snipé. Je sais pas comment il m'a snipé, mais il m'a snipé. Voilà. Grosse dédicace à Dijon, parce que là je suis à Dijon. Regardez, ils sont là. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Chacun est aux jumelles, je le sentais, c'était une dinguerie. Je me suis fait pointer aux jumelles, tu m'as eu? Ok, c'est bon. Ok. Heureusement, je l'ai senti. Ouais, c'était un peu trop vite, je me suis dit, c'est bizarre. Ok. Bonjour, mesdames. Ça marche? Toujours un tracteur? M'excuse pour la dernière fois, mais comme un con, j'avais oublié le frein à main, c'est pour ça que j'avançais pas. Eh, hey, je te parle. Maintenant, ça va beaucoup mieux, là. On se refait un petit lièvre ou vous restez ridicule? Ça va, ça va. Vous, les Français, vous avez toujours une grande gueule comme ça. Viens donc avec moi sur l'autoroute, on va voir. Ah, je t'ai vexé, là. Je vais te faire exploser, ta pute. Je t'ai vexé, là. Non, je suis désolé. Vraiment, je suis désolé. C'est un bon. Bonjour mesdames, bonsoir. Messieurs. Bonjour monsieur. Bonsoir. Ah, j'avais un collègue. Oh là. Alors dites-moi tout. Oui. Bon oui, ça arrive un peu fort. Un peu fort. Ouais, quand même. Bon après il y a la ligne et tout ça. Donc, ouais. Hein oui. Vous allez où là? Sur Sarcelles. Sur Sarcelles? Ouais. C'est une carte grise aussi. Elle vous appartient? Ouais, elle est à vous? Ok. Je sais pas, c'est la carte grise, c'est tout. Vous l'avez acheté quand? Je l'ai acheté. C'est plus d'un mois. Ouais, ça va. Ça, on va tolérer. Seb, il faudra juste penser à faire la TV là. Ouais, je vais la faire. Je vais la faire. Ok. Là, pour le moment, non, pas encore. Regardez sur l'assurance. L'assurance, vous êtes monsieur? C'est un propriétaire. En photo, ouais. Ça me permet de regarder. Ouais, c'est ça. Snoop Dogg. Ouais, c'est ça. Ouais. Snoop Dogg, tranquille. J'étais un peu ambiancé avec ça, quoi. Caméra, je peux faire des vidéos YouTube. Non, c'est pour moi, juste. C'est pas vous, Yacine, je sais pas quoi, là, sur YouTube. Yacine. Yas de 1
Allez, il y a ce qu'il faut. Ah, il y a ce non, qu'il non, faut. Non, c'est pas moi. Exactement, je cherchais. Mais je le connais. Ouais, d'accord. J'étais en train de chercher là. Il y a ce qu'il faut, exactement. En plus, il a une Jackstone Blue. Ouais, c'est ça. Ouais, mais il a un ancien modèle, mais il l'a cassé justement. Ah, ouais, ouais, il l'a cassé, d'accord, ouais. C'est pour ça. Donc, vu que j'ai vu le prix, j'étais en train de chercher depuis tout à l'heure. Non. Ma carte d'identité. Vous avez votre date de naissance? Vous travaillez dans quoi, monsieur? Transport de moto. Le transport de moto? Ouais. J'ai une boîte de transport de moto. Ouais. Pas dire. Dépannage. Hein? Dépannage moto. Ah, dépannage, vous faites? Ouais. DNS dépannage. Allez-y, parlez pour voir. Ouais. Ouais, c'est une Civic, c'est bon. Bah ouais, c'est oui, bon, ouais. Bien d'accord là. Ah, on est d'accord, ouais, ouais. Y'a ta gaki. Pourquoi vous le cachez? Je sais pas, je montre pas le fait, quoi. Je sais pas, je. Poulsi, baliqueur en personne, les gars. Le S1000, je l'ai vendu. Ça va, là. Je l'ai vendu. Ouais. Je l'ai vendu. Il est où le Ténéré? Moi, ce qui m'intéresse, c'est le Ténéré. Bah, je l'ai là, il est galé là. ça me fait pas mal. Moi, je veux le Ténéré, moi. En mode rallye là. Ténéré, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. En fait, je compte faire du tout terrain avec celle-là. Du tout terrain? Ouais. Tu veux faire à la boiserie ou quoi? Exactement. Ah, ah ouais. Bah, lui, il m'a montré en fait le fait que c'est possible. Ouais, ouais, avec l'H2. Ouais, exactement. Il y en a un qui fait des enduro avec ça. Avec un G6R. Il y en a un, il fait ça avec un R6 justement. C'est un étranger. Avec un ancien R6. Ouais, un ancien R6, avec ouais. Il y a un top caisse derrière là. Non, même pas, il a même pas mis de top caisse. En fait, ils l'ont équipé en mode tout terrain. Et en gros, ils font du tout terrain hardcore, genre. Ouais. Et pas mal, hein. Vraiment pas mal. Juste taper ouais. R6 tout terrain, je pense, on va la trouver. Vous pouvez pas la cacher, hein. Ouais, je sais. Déjà, ouais, juste avec l'incité de dépannage, je sais. Après, nous, on fait juste des questions. Ouais, non, je suis très discret, moi, c'est pour ça. Ouais, mais on sait, après, on a jamais vu mettre ça. Ouais, bah, c'est ça. Moi je suis tranquille comme ça. Thank you. Merci. Et ouais, celle-ci c'est la remplaçante. Et là ça filme ou pas là? Ouais je pense, je sais pas. Ouais. Tant qu'on voit pas nos visages? Non, vous inquiétez pas pour ça. Après avec la lumière je pense pas que ça non, va. Non, c'est ok, c'est bon. Ok. Si vous voulez que vous filmez mon bleu. Ça c'est des machines. TDM, ouais, ça, c'est la vraie très, moto. Très fiable, il n'y a rien à dire. Ok. Très très bonne moto. Allez, ça va. Bonne soirée. Test du 1290 Superduc R. La suite du 690. Skirk, pac pac. Pac pac. Poum. Tounsi. Skirk, pac pac. Skirk, pac pac. Poum. Poum, poum. Oh, il y a un S1000R là-bas, là. Viens ici, là. Je vais te chasser. T'as fait un décata, t'as fait quoi? T'as décata? T'as décata? T'as changé la ligne ou pas? Ok. En tout cas les gars, un grand merci à vous tous qui me laissez tester vos motos à chaque fois. Vraiment top. Et comme je le dis toujours, c'est toujours grâce à vous que je peux tester des motos. Comme ça je fais un comparatif de toutes les 1000, de toutes les permis à deux et de toutes les sportives aussi. Welcome to Nürburgring. Je me suis fait secouer dans tous les sens. Ouais, je fais ah, Juan, je te rappelle plus tard parce que là, je suis un peu au Nürburgring et il y a une, je sais pas, une colombe qui ne peut pas se pousser. Alors, j'ai une croix.
vraiment ton biceps à force de tenir le téléphone fort, tu vois. Parce qu'il faut pas que ça tremble et tout. Attache-toi. On appelle Hendek. Il y a les Hendek qui arrivent. La deux options sur 161. T'as une sportive kilométrée, tu vas utiliser quelques fois, tu vois, va jamais tomber en panne dans tous les cas. Attends. Sauf à S Miller R. Inch'Allah, promis la garantie, Khoya. Tu vas les récupérer là? Ouais, c'est bien. On va se retrouver à notre feu de toute façon. Voilà, parfait. Je suis un cycliste, je me mets tout à droite. Voilà. Allez ma petite. Tiens, Yebente. Tiens le coup. La sensation est tue. J'entends que le vent. Pas d'essence. De l'essence nulle part, c'est un truc de fou. Ça me tue. Youhou, je suis cycliste. Une descente encore. Les gars, j'entends en fait le vent. Ça fait trop bizarre, genre en mode... je sais pas. Je sais pas comment l'expliquer. Lélélélá, 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 lélélélá. Youhou, passé vert, parfait. Comme ça, j'ai pas le grillé. Hop les. Merci à l'autonomie du GSXR quand même, hein. Parce que là je fais bien plus que 5 km. Ça va, c'est bien, Nils. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Ça va, frérot, tu vas bien? Comme là, je suis à passer le bécane, j'ai reconnu ton cadre. Avec plaisir. Je suis trop content. Avec grand plaisir, frérot. Avec grand plaisir. C'est le steak, ça faisait grave plaisir. Ah, les steaks, c'était incroyable. Tu m'as tellement de... C'était incroyable. C'est la nouvelle là. Ouais. Ouais, t'as vendu la SMI. Ouais, ça fait longtemps, ça fait depuis longtemps, très longtemps, tu vois. Tounsi. Oh la dinguerie. Oh la dinguerie. Oh, je te jure, depuis j'attends de te croiser, putain. Je te jure, ça me fait trop. Avec grand plaisir, frérot. Ça me fait trop. C'est quoi, t'es au lycée là, c'est ça? Ouais, je suis au lycée juste là. Je venais de démarrer de le faire chauffer. Je me suis dit, non, je sais pas, c'est lui. Faire quoi? Bah là, j'ai des rendez-vous, c'est pour ça. J'ai rien de spécial à te dire, juste ça me fait trop plaisir. Avec grand plaisir, frérot. Oh là là,
te rends pas compte, c'est toi qui m'as donné envie d'acheter une bécane. Genre si j'ai ça, et moi et mon poids, si on a ça, c'est parce que c'est grâce à toi. Hein. C'est grâce à tes vidéos, la vie de ma mère. Faut faire attention, tu vois, c'est tout. Mais après, sinon, ouais, c'est trop bien, tu vois. 125, Inch'Allah. Petit à petit, tu vois, c'est petit à petit, ouais. C'est comme ça. Hein. En fait, toi, tu nous as fait découvrir, tu vois. Ouais. Et du coup, en vrai, c'est kiffant. Comme je t'ai dit, c'est petit à petit. Genre, moi, j'ai commencé, j'avais 7 ans, tu vois. Après, c'est mon père qui m'a mis dedans. Mais ma première moto, je l'ai à 7 ans. Après, c'est petit à petit. Genre, je voulais un GSX-R depuis tout petit et tout. À 18, 19 ans. Non, 17 ans, je l'ai eu. Après, je l'ai vendu parce qu'il passait pas au permis à deux. Du coup, voilà. Ah, faut faire attention, juste, tu vois. Ouais, après, moi, je te dis, je suis pas un exemple. Je suis vraiment pas un exemple. Mais juste faut faire attention quoi. Après c'est petit à petit, hein, mais pareil pour le travail, dans tout, c'est petit à petit. Tu vois, faut pas se précipiter, faut faire les choses carrées, tu vois, et après voilà. Je vais faire une photo sur la bécane. Oh, t'es ouf. Oh, t'es ouf. Oh là là. C'est de toute beauté. Vas-y, vas-y, monte dessus. Enlève la béquille si tu veux. Vas-y. Tiens avec tes pieds. Ouais, c'est bon. Voilà. Passe-moi ton téléphone, je vais te prendre une photo. Mets ton pied gauche sur le sélecteur, sur le cale-pied, ouais. Il a bugué. Ouais, il a totalement bugué, mais j'en ai pris des bonnes dans tous les cas. Oh la dingue. Ah, après, la bécane, c'est bien, tu vois, ouais. Comme je t'ai dit, c'est petit à petit. Tu vois, tu commences en bas, après tu continues, tu continues, tu grimpes, tu vois. Et après, tu vois, t'apprends en chutant la bécane, c'est comme ça. Hein. Attends-toi à tomber. Hein. Ah, ouais. Tu trouves comment la position là? Ah, ouais, c'est vraiment. Ah, genre, t'es comme ça là. Ouais. Moi je suis habitué, ça va. Ouais, je crois que je filme, dis-toi. Ouais, je filme. Je te dis, je filme tous mes trajets. Tu passeras dans la vidéo si tu veux. Ouais, je sortirai en janvier, je pense, un truc comme ça. T'as dit quoi? Il est magnifique. Merci. On les vidéos carrément. Merci. Je chante, hein. Ouais. Derrière, je monte ma tête. Je kiffe ma race avec. Merci frérot, au ouais, top. T'as entendu le bruit? Hein? T'as entendu le bruit? Ah non, ouais, c'est... Quand j'ai dit vas-y moi je suis tranquille. Ah il m'excite. Voilà. En plus j'hésitais avec le R1. Ouais. Mais comme toi le bruit je sais pas. En fait le bruit celui-là c'est incroyable. Après R1 c'est très beau. Après moi je vais peut-être enlever le feu avant. Ouais, bah... Je vais faire un micmac. C'est passé parce que lui je lui ai demandé, il m'a dit non, juste arrêté pour fumer. Non, en fait, tu sais, il est en réserve, mais il s'est arrêté pour fumer quand même. Ah ouais, tu vois ou pas? Ça marche, là. Ça va? Eh, tu penses à autre chose là? T'étais autre part! Hein? J'ai loupé! Vas-y, on te suit, prends ton touch! Le pauvre, miskin! Caresse mon ami. Voilà, il va te croquer les baskets. Hey, voilà, il veut me croquer. Qu'est-ce que c'est beau. Masha'Allah. Vas-y. Ça va. Belek belek, coupe. Pareil. Vas-y. Ça va ou quoi les gars? Tranquille, bien. Tranquille. Ça va, tranquille. Ça va, bien, tu vas bien. Ça va. Ça va. Vas-y. Chouette, allez, on est de blé. Chouette. Allez, nous. Monte, mon normal, tu vois.
Avec vos téléphones, ça vous déconcentre directement. Surtout sur ces routes, c'est y a des choses qui sont pas prévisibles en fait. Parce que t'as pas la vue sur tout. C'est pour ça que moi je roule très très prudemment. En plus c'est pas ma moto, donc je reste calme. Là franchement je serais avec mon GX là. Oh là 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 là. Je me serais régalé sur les routes. Oh la dinguerie. Oh là là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Là, il est tombé tout seul à l'arrêt. Il y avait un carton ici, il l'a ramassé, il est tombé. Ah, c'est pour ça il est. Ouais. Waouh, la dinguerie. Mamma mia. Alors, habibi! C'est bon, tranquille, j'ai pas pareil, j'ai pas te fumer. Hein. C'est magnifique ici avec les palmiers là. On est à Tozer normalement. Bon, c'est magnifique. Vas-y! Merci! Vas-y! Éteins, éteins, éteins! Vas-y! Ouais, c'est nickel. Ton pied, ça va? Ouais, c'est bon. Mmh. Vas-y! Ça va? Ouais. Avance, avance, avance. Régelou, régelou. Vas-y. Je l'ai couché parce que y a Hayat. Vas-y. Ah, il faut laisser l'espace. Oh le cause, prends-moi une photo sur la bécane. Je sais, j'ai capté, vas-y. Mleha. Ah, vas-y, fais-moi ça. Hey, on profite de ta chute. Hey, on n'a pas respecté ta bécane, toi. Vas-y. Salam alaikum. Les bes, alhamdoulilah. Interdit de tomber, j'ai pas le droit de tomber. Je me bats. Je crois qu'on s'est trompé, j'ai trop la haine. Après il y a le GPS et il continue, donc je pense que ça passe. Alors, j'en ai trouvé une accidentée, mais c'est une dinguerie, les prix. Oulala, il est cache. Bonjour mesdames, messieurs. Thank you.
en bas de chez Bec. Regarde, Fitrik. Et tu mets le camion, j'ai été la serfine, je nous vois. Je vais te dire. Hein? Hein? Je vais te dire. Et tu n'as jamais jeté le cake. Je suis chra là. Je voudrais que je fasse des autocollants, mais j'ai trop la flemme. Donc je m'en fous. Moi je suis passé, c'est carré. Le sable en fait aujourd'hui il va nous faire capter. Le vent il tape mon poisson. C'est trop stylé. Le vent il est en train de pousser mon pote. Le sable il réussit à rentrer dans mon casque maintenant. Là, on rentre dans le vif du sujet là. Oh, Allah. La puissance. C'est trop stylé. J'aime beaucoup ce qui se passe là. Stylé. Tu survis, tu verras. Ah. Ah là c'est dingue là, c'est pire là. بسم الله الرحمن الرحيم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. اذا نجمع les voitures elles passent là, ça m'envoie des rafales, c'est une dinguerie. Je vais me battre avec lui jusqu'à ce que je sorte de la tempête. Comment il voit son visière, je comprends. Un mec en mobilette, il a juste un foulard autour de la tête. Et il lutte contre le sable. Mais l'air. On dirait que je roule à 20 km/h, alors que je suis à 90. Mon pote, il est hardcore. Allez, viens prendre un 200, ta gueule. Le bon, il ne reste pas pour les 200. La maxi dinguerie.
La tempête, elle a ramené tout le sable sur la route. J'espère que les rails vont bien gérer ça. Ils sont tous derrière là. Heureusement que je suis concentré. En fait, je me rends pas compte, mais la route elle est vraiment mouillée. Je vois les traces derrière moi là. Comme si une seule qui passe, il n'y a pas de trace. Ouais, on va envoyer une rafale. Magnifique. Ah ouais, route lisse, plus pluie, pas bénef. C'est quoi ça? C'est de l'eau? C'est quoi? Ouais, c'est de l'eau en fait. Bismillah. Manobalama. Manobalamas. Je vois la tempête est passée par là. Manobalamas. Wesh, wesh, wesh. Allez, allez, on va se calmer. Hey, hey, hey. Franchement, j'aimerais trop voir genre là les éclairs genre. Et un coucher de soleil à droite là. Il reste pas grand chose du soleil. Et dynamique trop là. Oui, c'est là. Traverse des tempêtes. On va se calmer. Je viens comme un assassin là en fait là. Mais ça vient d'où cette eau là? Yeah. Oula oula oula. Incroyable. Franchement, Allah. En fait, genre, je mets des. Comment dire, j'active juste en fait mon feu arrière, mon frein stop, comme ça ils comprennent pourquoi il y a. Il y a comment ça s'appelle? Il y a. Ben, il y a des choses quoi, on peut avancer quoi. Ah, c'est où? Ça tue. C'est là. C'est à droite ou tout droit? Je sais pas. Hein, heureusement, heureusement. Ils sont arrêtés ou quoi? Y'a que les vaillants. Hein. C'est la guerre. C'est une dinguerie. Je vous allumais mes feux stop pour les obstacles là. Frère, des moments, à un moment j'arrive. Je me prends pouf, comme ça. Oh, laisse tomber, frère. C'était du sable. Ouais, le sable. Ouais. Vous voyez comme ça. Non, mais il y avait de l'eau. Mais oui, je suis trempé, ça. Non, mais là, je suis en mode, je m'emballe. Let's go. C'est que là, la vérité, on voyait pas un mètre devant nous. Ouais, ouais. On voyait plus rien. Là encore, ça va, là, y'a plus rien. Ouais, venez, on y va, non? Non, on partait, là. C'est comme ça qu'on roulait, nous. C'est vraiment. C'est 10 minutes, là. On se voyait vite fait, hein. Moi je te voyais pas frère, à un moment je te voyais plus frère. Derrière? Non mais hey, t'allais tellement vite, je me suis dit si je glisse. Oh, Et moi j'étais en dynamique pro en plus. T'as un baiser. Hey, je voulais mettre rain, j'étais dégoûté. Bah j'ai compris en fait. Faut que tu t'arrêtes pour qu'il s'active le mode rain, c'est ça? Pourquoi? Tu l'as? Parce que regarde, tu vois là je change. Non, attends. J'ai lâché le gaz, c'est bon. Non, j'ai lâché les gaz et tout, rien frère. C'est resté zarma comme ça là? Il restait en deuxième. Non, il restait en deuxième, tu vois, ou pas, en ouais. Petit truc. Des fois, et à mon avis, il attendait juste que je m'arrête, en fait. Elle a dit, il pleut et tout, je le sens même pas, je suis trempé et tout, je m'en fous, à l'attaque. J'avoue. Hein? Eh, magnifique, pareil, frère. Eh, je me suis dit, je traversais une tempête, frère. T'as vu quand je t'ai laissé passer? J'ai sorti mon téléphone. Ouais, je me disais. Mais moi, je filme de toute façon tout le temps, tu vois. Ah, oh là, c'était une dinguerie. Frère, quand il y avait l'eau là, oh là là. Je suis en train de filmer, frère. Moi, je te voyais plus, frère. Moi, j'ai kiffé sa mère, frère. Magnifique. Ouais, moi, ça filme tout le trajet là. Hein?
Ça filme pas là. Oh. Là ça filme. Vas-y, venez, on y va, non? Ouais, attends, on attend les autres, non? Eh, j'étais en dynamique pro. Tu m'expliques pourquoi le rein il se met pas? Le rein il se mettait en petit et en fait ça faisait rien, je relâchais les gaz, quoi que ce soit, rien. Non, là j'ai là l'arrêt c'est bon. Ouais. Mais en conduisant, j'étais en dynamique pro, il voulait pas s'enlever. Voilà. Il voulait pas mettre le rein. Ah bon? Ouais, tu sais, le rein il se met en petit et je pense qu'il attend que je m'arrête, non? Ouais, je crois. C'est ça, hein? Mais si, tu peux changer, moi. Ah bah, mais le rein, je crois, il faut que tu t'arrêtes. Ouais, c'est ça, je crois. Tous les autres modes, tu peux faire. Ouais, c'est ça, c'est ça. Oh, le bouge! Vas-y, venez en taille là, c'est quoi ce T là? C'est qui devant là? Je sais pas. C'est bien. Ah yes. Tout yes. Et yes. Mais la route, il a le GPS? Ouais, yes. Attends, viens, on va. Vas-y. Salam alaikum. Je vois rien. Donc, ma visière teintée, je ne vois rien. Le traceur 700, un voyant. Il est devant moi là. Regardez le soleil en face. Quoi cette dinguerie? Soleil ou c'est un feu? C'est un feu en fait. Ça va? Hein? T'as dit quoi? Quoi? C'est quoi ça? Je vois rien avec ma visière teintée. Ouais, c'est le soleil en fait, c'était une usine. Je conduis avec un œil, je vois rien du tout. J'ai obligé d'ouvrir la visière en fait, mais le problème c'est que la pluie en fait elle me fume mon cléon. Je vois rien avec la visière teintée. Et sinon ça me tac 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 tac, tu vois ou pas? C'est quoi cette dinguerie là? Wallah, mashallah, qu'est-ce que j'aime, c'est incroyable. Cette beauté là, ça me tue sur la route carrément. Hein? Non, j'ai pas moi. J'ai pas de quoi de là, j'ai rien. J'ai rien moi. Non, j'ai pas. Mais eux ils sont là-bas. Je suis en visière teintée, ça veut dire je vois rien. Et quand j'ouvre la visière, tu vois, mais le problème, t'as les trucs, t'as la pluie qui... Je vois rien avec le... Ouais, t'as les trucs qui te fument les yeux, en fait. T'as la pluie, là. Mais qu'est-ce que c'est beau. Oh là, je kiffe. Et on est en tempête, on dirait on est en enfer. Ce gars-là, il est fâché. Hein. C'est magnifique, frère. Vas-y, Allah. J'ai trop peur qu'il... Il se traîne le sable là, il rentre dedans là. Eh, je vous jure, hein, c'est vraiment trop stylé, j'ai l'impression que je suis dans Walking Dead. Il y a personne autour. Ça tue. Attends, il est où là? Alors là, il m'a fait peur là. Wow. Wouhou. Mashallah. Wouhou. Fais gaffe mon pote. Il n'y a pas de souci. Là, le problème, c'est qu'il pleut. Du coup, ça rentre dans mes yeux et tout. Parce que je roule visière ouverte là. Oh, c'est grave amusant, franchement. On est à l'aventure. Hein? C'est excellent, on est d'accord. Hein? Hein?
qui est encore plus excellent, c'est ton traceur. Les gars, je suis en train de boire de l'eau là. Parce que ma cagoule elle est mouillée. Et du coup, elle me produit de l'eau dans ma bouche. Pas toute la gourde. Non, mais je peux pas en fait, je peux pas mettre là, j'ai pas de support. Ouais, mais... T'as le GPS? Non, mais le problème, j'arrive pas à le mettre. Comment ça? Je sais pas en fait, il est mouillé, j'ai pas de. C'est eux ça? Ouais, c'est là, c'est à droite. Hein. C'est à droite? Je sais pas, hein. C'est là? T'es sûr? Oh, la visière teintée, frère, je vois rien! Oh, je vois rien, moi! C'est bien ouvert, moi, regarde! Ah, mais visière ouverte, justement, ça me nique les yeux! Oh, là, c'est dans la taouille aujourd'hui, la totale, là! Ça va, Omar? Voilà ce qu'on a passé, c'était incroyable! Ouais, je vais mettre là. Voilà, c'est incroyable. On a passé une tempête de sable, pluie et tout. Incroyable, voilà, c'était magnifique, on est d'accord. Voilà, c'était exceptionnel. C'était ouf. Hein? Alhamdoulilah, surtout la baisse. Voilà, mich normal, c'était incroyable. Alhamdoulilah, Rabbi. Mais c'était dingue. Voilà, c'était incroyable. Il est clair. Ouais, j'ai kiffé. Le jour dans la nuit. Pas trop. Déjà, les gars, voilà. C'était incroyable, voilà, c'était incroyable. Là, vous êtes arrivés. On a fait une dinguerie, voilà. Bien, quoi. Elle tombe de soi, je demandais. Sur la route. Ouais, les Arabes. Mais c'est pas tes gars, on est tous morts. Ils ont kiffé, ils ont pas kiffé. On parle pas. On est frais, c'était exceptionnel. Heureusement je l'ai vécu, sinon il rentre dedans. Ah, je vous dis, un guidon, je la lâche pas, je me bats avec. Là, dans ma tête, je voyais, genre, en fait, j'allais tomber. Je me dis, la guidon, je la lâche pas. Ça paye, t'as fait les bras. Hein. Ah. Tranquille. Down, homie.